Oh, t'es mort? Ouais. J'ai besoin de nounours? Ah, ok. Ah, Nounours! je te jure, je flippe trop. Nounours! Nounours! Oui? J'ai besoin d'un bisou. Chien de chien. Oh, merci. Je te jure, j'ai peur. Moi aussi, je flippe. C'est pour ça que j'étais pas là lors du précédent épisode. D'accord. Mais je suis reparti. Bah, déjà, on va dire bonjour à tout le monde. Bonjour! Bonjour! C'est Douceur! Et Panthémor! Ouais! Et on est de retour pour le 6e épisode d'Outlast sur PlayStation 4. C'est un jeu qui est sorti donc le 4 septembre 2013. C'est un survival horror et c'est développé par Red Barrels. Et ben en fait, on s'apprêtait à partir dans les douches. Oh, dans les douches. Voilà, il a fallu qu'on affronte. Ça tombe bien, j'ai un peu chaud. T'es un peu chaud ? Un peu chaud. Oui, ben j'espère que... J'ai une sueur froide. Oh. Nounours, reste avec nous. Ouais, Nounours, s'il te plaît, tu restes avec moi parce que je vais avoir besoin de beaucoup de soutien. Oui. Et vous, là, vous qui nous suivez, oh, encouragez-nous. S'il vous plaît, encouragez aussi, hein, et pensez mort parce que ça fait peur. Allez, on dit. Let's go! Ce cinquième, ce sixième épisode. Et là, on s'apprêtait effectivement à aller dans les douches. Oui, parce qu'on a eu la carte. Il passe. On y va. Donc là, c'est OK. Donc, faut présenter la carte. Voilà. Et là, on peut ouvrir. C'est la night. Oh, putain. Il y a de l'orage. OK. C'est en bas. OK. Sortez par les douches. Ouais. Il y a une fenêtre ouverte. Il y a une fenêtre. Ouais. Non, prends pas pour des débiles. Attrapons-le, ouvrons le ventre. Non, mais non. Non, je peux pas. Si. Si. Oh, oh, si, si. Si, si, on peut. Ouais. Mais je suis à l'extérieur en plus. Hein. Ouais, là, t'es en dehors du bâtiment. Non, je peux remonter là. Non. Bah si, bah non. Bah si. Si, je crois qu'ils t'offrent pas le choix. Oh, non. Non, c'est bon. Oh là 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 là. Oh les fous. Oh les fous. Alors, il y a une porte à droite, à gauche. Bon, ça a l'air d'être un passage safe, tant qu'on ne passe pas par la porte. Je peux refaire, je peux... Si tu veux refermer, tu refermes, ouais. Ouais, je... Déjà, chez moi, je gueule quand les portes, elles sont vertes. Mmh. Yeah, il n'est pas fait exprès. Bon. À droite, on voit rien, et en face, non plus. D'accord. Ok. Mmh. Oh, cette ombre. Personne en face. À gauche, c'est quoi? C'est un sas. Qui ouais, n'est pas allumé. C'est pas allumé, ouais. Donc, à mon avis, il va falloir faire comme tout à l'heure, appuyer sur un bouton pour rallumer ce foutu sas. Non, il y a personne. Oh, c'est ça, là, ils auraient pu faire les caméras. Ouais, ils auraient pu. D'accord. Ah. Ok, une salle de sécurité. Non, ça change pas grand chose. C'est juste pour vérifier. Et en face, il y a une porte. On va aller voir. Apparemment, il y avait l'air d'avoir personne. Il y avait l'air, ouais. Ah. J'ai. Ah. Oui, attends, bah. Attends, je prends déjà.
Ah oui. Ouais. C'est pour appuyer. Oh monsieur. Non. Attends, n'appuie pas encore. Non. Bon. Je dis bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous avez les bras écartés, vous êtes endormi au travail. Oui, c'est pas bien ça. Il était fatigué. Ouais, mais c'est pas bien. Alors moi ce que je remarque c'est une trappe qu'il y a là-haut. Oui. Ouais. Et étonnamment. Il y a du bord. Il a, ouais. Il a... Regarde si on peut monter sur le bureau. Ouais. Ouais, mais non. Ça se demandait si elle va pas s'ouvrir un moment ou un autre. Ouais, peut-être. Ouais, puis quelqu'un va tomber dessus, puis il va me courser, puis il va me péter ma gueule. Ah. Oh. Quelqu'un a laissé l'écran de veille. Ouais. T'es pas bien, toi, pour l'économie. Ouais, mais non, là, de toute façon. Ouais, bah oui, mais non, je veux bien maintenir pour ouvrir, mais il me faut. Donc il y a deux portes. Il y a celle à gauche là et celle à mon avis qui doit faire le couloir et celle derrière. Donc les deux en fait communiquent. Ouais. Et du coup là je. Est-ce faut-il aller voir ce qu'il y a de l'autre côté ou ouais, pas? Ouais. Je serais tenté. Très tenté. Ouais. Bon, on a une sauvegarde à l'endroit ouais. Safe. Donc au pire des cas, s'il nous arrive quelque chose. Hop, c'était caché. C'est mal dit, c'était caché sur Outlast. Ah, puis comme par hasard, au fond, il fait noir. Il fallait s'en douter. Ah, c'est la porte là, d'accord. C'est la porte là derrière, ok. Ok. Ouais, monsieur, il est pas bien. Il va pas bien non plus. Ah, il y a rien à ok, prendre donc c'est le fameux. Ah. Une pile, une pile. Une pipile. Monsieur, il avait des piles sur lui, c'est sa lampe torche. Donc, si je passe là, c'est bon. Bah, c'est la porte de derrière. Ouais. Ok, donc vu que c'est fermé, là-bas, machin et tout, ouais. Moi, je suis sûr que la trappe est pour quelque chose. Moi, ce que je te conseille, ouais. Fermez les deux portes. Au moins ces deux portes-là. Pardon. Et la porte de derrière. Là-bas? Ouais. Ouais, parce que l'histoire du bureau, je suis presque sûr qu'il y a quelque chose avec. Presque sûr. Voilà. Ouais, mais le là, pour appuyer, si j'appuie sur le bouton, le truc, il est de l'autre côté, il est derrière. Attends, je vais aller voir les cams. Ouais. Pourquoi l'écran là il est éteint? Il est éteint, je sais pas. En tout cas, personne n'a l'air de faire de grabuge devant les caméras. Non, ça a l'air d'être plutôt calme. On va appuyer, hein. Nounours, on va appuyer, hein. Ah, écoute, là, on va appuyer sur le bouton. Hein. D'accord. J'appuie? Oui. Oh bah tiens! Oh là! Ouais. Je suis retombé. Cours! Wow. Cours! Oh, oh putain! Oh. Ah, ça pique! Bon! Oh! Ah, c'est moche. Oh, bon, ça va, on a la caméra. Oh, oh là là. Oh là 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 là. Oh putain. Trouver un autre chemin menant aux douches. Oh, bah, bien sûr. Oui, je veux bien. Oh là là. Oh, on est retourné là. Oh, le charpie. Ah non, c'est pas encore le même endroit, c'est le bloc C. Ok, pour se cacher. Ouais. Ça promet. Oh, on entend les mouches. J'ai plus les piles. Oui, la pile est en train de crever. Ouais, bah je la laisse crever jusqu'au fond. Voilà. Ouais, bah voilà, il n'y a plus de piles. Oh putain. Okay. Oh putain, encore ces foutues portes. Oh là 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 là. C'était marqué quoi? Non, c'était parce que tu pouvais ouvrir la porte. Ok. Oh la vache. Ouais. Ok, donc encore un lit pour se cacher. Personne. Ok, j'essaie d'aller
Oh hein. Je peux aller me planquer quelque part? Oui, sous un lit, où tu veux. Ouais, bah désolé, j'ai pas choisi le meilleur endroit. Merde, faut aller où? Bon. Wow. Alors, le mec apparemment a l'air de faire du droit vers la gauche. Je vais pas rester encore planqué. Non, prends ton temps. Ça me fait chier de bouffer des piles là. Bah ouais. Oh, j'ai pas choisi le meilleur endroit. Oh putain, fais chier. Bon. De toute façon, en sortant, je vais être obligé de rallumer la cam. Ah oui, ça c'est clair et net. Cette musique. Bon, il a pas l'air de rentrer dans les pièces. Ah. Ok. Moi, je serais d'avis de partir à droite en sortant, puisqu'on arrive de la gauche. Donc là, il est parti par là. Faut dans ces cas-là, faut que je me casse tout de suite. Ouais, sauf qu'il était en train de revenir. Oh putain, ce stress interminable. Accroupis-toi. Enfin, si tu le veux. Il y a des escaliers à gauche, peut-être qu'il faut passer par là. Je suis désolé, je speed. Vas-y. Je suis une trouillarde, n'oublie pas. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi aussi, je suis un peu trouillard sur les bords. Hein. Je... Il est où? Oh putain, puis la pile, bordel, la pile. Il en reste 5. Oui, mais quand même. T'inquiète pas. Oh. Ok. Faut que j'attende qu'il repasse par là. Ouais. Ah oui, de toute façon, il n'y a pas le choix. Attends, il repasse. Ok. Je vais tous les faire. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, s'amuse, vite. Merci. Ça donne des forces. Allez, vite, passe. Putain, pas de pile. Non, monsieur. Oh. Allez. Oh, j'ai touché de changer la pile encore une fois. On en trouvera. Chut, pas de bruit. Oh, dis-moi que t'es repassé. Allez. Oh, à mon avis, il viendra pas jusqu'ici. Il peut nous voir. Je pense qu'il peut nous voir. Okay. Bon. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on est... Ah! Ok. Ah! Ah! Cours! Cours jusqu'à là-bas. Normalement, je peux me choper. Ah. Ouh. J'espère. Là-bas? Ouais. Par en dessous. Ah. Merde.
J'en ai fait une couille. Je peux pas passer par là. Je vais faire une attaque. Là? Oh putain. Non mais j'espère qu'il va être gentil. Pour le moment t'as plus besoin là, voilà. Ouais. Ouais. Là-bas. Ils viennent? Il a pas là. Laisse-moi, il faut que je te dise un secret. Ah, il veut juste parler, je pense. Il veut juste parler. Il voit rien de toute façon, il est dans camisole, il peut pas te frapper. Tu sais quoi le 4 janvier? Un instant, il faut juste que je. Il va où? Je sais pas. Va pas te faire tuer, il y a un gros monsieur pas gentil. Ils sont en haut. N'aie pas peur. Je voudrais t'aider, oui, nous aussi. Oh là 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 là. Je fais où? C'est horrible. 1938, 2 janvier 39. Ça me démange. Oui. C'est personne derrière? Je pense pas. La chiotte. Oh. Bon, ça va, ils ont des chiottes. Ouais, je vous. Regarde s'il n'y a pas de pilier sur le petit meuble. Enfin, je pense que ça aurait clignoté, mais. Déjà pour vous cacher, ça me. Ah oui, c'est. Non. Non, non, non. Non, il n'y a rien, ok. Bon. Oh là 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 là, des fous dans les cages. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ok. Là, y'a rien. Oh. Y'a rien. Donc, en fait, on peut rentrer pour. Bon, ça nous sert à nous cacher. Y'a un lit sans matelas, donc ça sert à rien. Ça sert à rien, on est mort chez mort. Si je pouvais les vendre le rêve, les rêves, laisse-moi te vendre le rêve. Et tandis que je peux leur vendre le rêve. Ah ouais, mais la réalité, elle est pourrie. Hein. Non, mais carrément, quoi. Des. On est au Doc D. Toi et toi. Il faut que tu me fasses surveiller ici, c'est Baron. N'empêche pas, il viendra nous chercher même après l'heure jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Ok. Ah, il y a bien un endroit où aller, là, on vient de tout visiter. Bon, il y a partout où se cacher, ça c'est magnifique. Ouais. Ah, je suis sûr qu'il faut monter sur là-bas. Ouais. Ouais. Attends, je cherche s'il n'y a pas des pipilles, il y a quelque chose à prendre. Mieux. Là, c'est le monsieur qui. Ça a l'air si soyeux. Oui, je. Oui, bah. Soyeux, soyeux. Ok. Oh, putain, il n'y a rien dans les. Ça m'emmerde. Ah, mais il y en aura peut-être ailleurs. Étonnamment, dans des salles comme ça, on n'a pas trouvé grand chose. Non, c'est vrai que. Bon, voilà, c'est vrai que c'est pas la planque là, à pile. Non. Ah ah ah, je peux monter par rapport à ça peut-être. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des trucs en bas alors qu'on doit monter. Oh là, ce bruit de cage. Infirmière, infirmière, venir me nettoyer. Oh. C'est dégueulasse. Ça fait marrer. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Derrière, il n'y avait rien. Ok. Si. Des gravats, une porte. Ok. Le mur. Le mur. Un monsieur là qui est là. Regarde, tu le vois. Putain. Oh là 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 là, il nous a sauvés. Merci monsieur. Il est dans quel état? Mort. Tant mieux, il viendra pas nous courser. Ouais. Je l'ai vu. Je. Oh là là. Oh non. Oh. Une genre d'expérience sur des morts, sur des vivants.
Je vais donner un indice, elle est toujours en cours, l'expérience elle continue. Ah, il faut sauter de la corniche. Je me suis fait bobo. Ouais. Oula, witness, oh là encore là. Attends, je vais aller. Prends des trucs. Je pense qu'il faut prendre les écritures avec la caméra. Ouais. Bah non. Non. Ah. Oh, désolé. Ah. Oh, il bouge. Tu sais, mon gars, t'es pas caché, hein. Je fais tout de suite, hein. C'est des lattes, mais pas de matelas au-dessus. Non. Ouais, moi je veux bien. Il veut pas que tu le prennes? Ah, mais non, déconnez pas. On veut cette documentation. Déconnez pas. Ah, c'est bon. Selon comment je me place. C'est vrai que ça, c'est un petit truc. Ouais, qui... un petit défaut du jeu. Ouais. Mais bon. Ah, déconnez pas. Je allez, on veut. Bon, je vais monter dessus, on sait jamais. On ne croit pas ce qu'il devrait croire et non, ça va nous détruire. Oh, lecture. Attends, je prends les notes là. Non. Il dit not kill his enemies. Alors, il ne peut pas tuer ses ennemis. D'accord. Une petite lecture? Une petite lecture dans les documents. La nécrologie du docteur Wernick. Vas-y, je t'en prie. Alors, à partir d'une page web, apparemment, Rudolf G. Wernick, le docteur Rudolf G. Wernick est mort à l'âge de 90 ans le 28 février 2009. Alors qu'il continuait à exercer les activités qui le passionnaient tant, né en 1918 à Munich, en Allemagne, il a acquis la célébrité dans les milieux mathématiques en co-signant un article avec le pionnier de l'informatique qui était Alan Turing. Après une période obscure, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a émigré aux États-Unis en 1949 avec un visa de département d'État. Après plusieurs décennies de travail dans les services de recherche étatiques du laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, le docteur Wernick a pris sa retraite dans cette région pour s'adonner à la photographie de paysages et de s'occuper de ses chats. Il s'est finalement installé dans le Colorado à la fin du siècle dernier pour mettre sous les auspices de la Murkoff Corporation. Cette société a déclaré dans un communiqué de presse regretter la disparition du docteur Wernick, qu'elle qualifie d'homme aux idées généreux, empreint d'une grande humanité. Il n'avait plus aucune famille. Eh ben voilà. Oh. Bon. À remonter ? Donc soit passage à gauche, soit remonter. Pour rejoindre les douches étaient pas en haut, je crois. Hein. Ok, porte inactive. Donc au bout d'un moment, il faudra venir au sas ici. Ouais, donc va falloir monter. Là, 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 là. Oh là, cet endroit est immonde. Oh, il va t'éclater jusqu'à ce que tu casses. Super. Ok. Il y a une sauvegarde. Merci. Que la sauvegarde pour moi ça pue. Il y a encore un lit pour se cacher. Ouais. Non, j'aime pas ça là. Non, je vais me cacher là. Non. Ouais, je vais me cacher là. Dis-moi que je suis caché. Non. Hop là. Voilà. Oui, foutez quoi le monsieur? Je sais pas, mais... Là, tu vois, honnêtement... Satan, il va même pas descendre, je vais quand même faire piéger comme tout à l'heure. Bah ouais. Sauf que ça, on ne sait pas. Bon, ben, on va y aller. Yen save, au pire des cas. Il m'aurait vraiment voulu du mal, il m'aurait coursé. Bah je pense oui, enfin, c'est quand même à peine un mètre de toi. Ouais. Peut-être que c'était un surveillant hein, oui. De cet endroit. Non, il était là-bas. Hein. Ouais, il était là-bas. Sauf que là, il n'y est plus. Sauf que là, il n'y est plus. S'il est là. Il en a rien à caresser. Ah oh putain. Ça pique. Ça pique. Donc il aime pas combien à côté de lui.
Sauf qu'il vient pas. Bah ouais, sauf qu'il vient pas. Donc faut pas monter. Bah ouais, mais... Mais j'ai pris une mandale. Il a pas apprécié. Non. Reste 5. Je veux bien, mais dans ces cas-là, je fais comment? Et c'est bizarre parce qu'il va sûrement falloir repasser sur la corniche là-bas. Hein. Là, il est pas là. Ah, oh, il est derrière. Putain. Ah, il a tombé. Ouais, tombé. Il est où, il est où? Il est pas là, il est pas là. Allez, je sens que ça vient. Non, c'est pas le même qui gueule. Là, je peux pas. Donc, non, à mon avis, il faut remonter et courir sur cette foutue corniche de merde. Je peux pas courir sur la corniche. Ah bon? Non. Faut pas y monter. Oui. Oui. Y'a rien. Ça m'arrange pas. C'est quoi ça? Un bras. Bonjour le bras. Monsieur? Non mais bonjour. Oh, toi t'es, faut que tu dormes. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un aurait un Doliprane pour ce monsieur là? Il a... Oh puis lui il est excité hein. Toi il te faut un... Oh oui. Une tisane bonne nuit. Hein? Là dans la bonne bleue. Thé. Là il y a une chaise, ok. Ouais. Voilà donc passe devant lui et cours. Ah mais faut que je repasse là? Bah ouais du coup ouais. Fait que t'es tombé. Bon logiquement tu il ne fait rien. Pas, je peux pas. Non je peux pas courir. Non mais je prends une mandale à chaque fois. Bon pire tes cas c'est une mandale avec tout ce que tu t'es pris depuis le début du jeu. Aïe. Non, mais là, il se passe... En fait, il se passe rien tant que tu montes pas là-haut. Donc, apparemment, ouais. D'après ce que j'ai vu, il faut courir à côté de lui et, ouais, et passer cette foutue corniche. Donc, faut monter. Ouais. Vraiment pas le choix. Et si je passe accroupi tout doucement? Je pense pas. Essaye toujours, hein. Essaye toujours, mais si tu vois qu'il vient. Non. Donc, ou alors, je m'en prends une et puis je cours, quoi. Voilà. Je te dérangerai plus, je m'en vais. Allô. Bon, monsieur, là. De toute façon, tu descends même pas. Viens, je vais péter ta gueule. Non, il veut même pas lui qu'on lui pète la gueule. Il est reparti. Allez, passe devant lui. Voilà. Essaie de passer devant, sur la corniche. Ah, voilà. Bonjour, monsieur. Belle entrejambe, hein. Soyez encore eux. Non. Hop. Y'a rien. Ok, mais c'est bien bon tout ça, mais... Y'a rien au plafond? Bah non. Ouais. Non, il doit y avoir quelque chose. Merde, je suis retombé. Oh merde. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Pourtant... Attends. Ah putain, si. Fallait passer par là. Bon. Et sauter, non, ça vous me le proposez. Ah pas. Non. C'est trop haut, hein, forcément. Bon. Hein, ce monsieur, c'est pas Nathan Drake, hein, dans Uncharted. Ah non, Nathan Drake dans Uncharted, il fait des sauts de 15 mètres sans que personne y gueule, quoi. Bon. Aïe. 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 Donc si je cours et puis je passe à côté de lui, c'est bon, enfin, y a pas de... Ouais, logiquement, il ne fait rien. Alors voilà, bon. Coucou. Bonjour, voilà. Belle entrejambe, tout ça. Donc là, c'est bon, on n'a rien vu. C'est bizarre. C'est un peu long, quand même. Bah ouais. Et puis le caméscope, je l'ai dans le baba. Hein. Et quand tu vas à gauche, rien. Non. Bon. Non, ça m'étonnerait. Je veux bien remonter. Mais sauter comme ça, c'est pas possible. Hein. C'est du suicide. Ah, c'est du suicide, hein. Ça c'est sûr. Hein. Bon. Ouais.
Bon, bah, on verra ça. On verra on ça. On va essayer de se dépatouiller de là, hein. Faut qu'on y arrive. Mais faut qu'on y arrive. Eh ben, ils le sauront quand? Bah, au prochain épisode, de ben, voilà. Comme d'habitude, on flippe. Oh, et ouais. Nous, pouf. Ouah. Il flippe comme jamais. Où tu as mis pause? Ah, bah oui. Oh. On reviendra au prochain épisode. N'est-ce pas, Doucéa? Oui, Pantémon. Oh oui. Eh bien, c'était le 6e épisode d'Outlast et il faut qu'on se dépatouille de l'endroit. Faut qu'on s'y sorte. On va y arriver. Faut qu'on y sorte. Vous saurez ça dans le prochain épisode. Et voilà, d'Outlast qui paraîtra sur YouTube. Là, regardez la prochaine vidéo et ils vont dire bonjour.